confrontés à des défis climatiques majeurs. Ces défis climatiques font que nous devons être très regardants par rapport à notre écosystème. Vous voyez déjà la dimension des précipitations qu'il y a en pluie et en tout. Donc l'écosystème est complètement perturbé parce que l'abattage des arbres est devenu pratiquement une activité journalière. Alors nous, en tant que direction de l'assainissement, notre rôle majeur est d'embellir d'abord, de protéger l'écosystème. Nous devons nous joindre pratiquement à la vision du chef de l'État qui dit que nous devons planter 1 million d'arbres dans cette république. Et nous sommes un pays qui possédait le grand bassin forestier dont le monde entier a besoin. Donc nous devons pratiquement protéger cet environnement. C'est ce qui fait que chaque année, nous en tant que direction de l'assainissement, nous procédons via notre pépinière à la mise en terre pendant la période pluvieuse des arbres. Et nous avons des milliers d'arbres que nous allons mettre sur toute la ville pour essayer de pallier à toute la coupe qui s'effectue ici et là. Et donner une leçon aux habitants de Colosi que cet arbre, c'est toute une vie. Et vous devez avoir la culture de protéger cela.